Alors les bienfaits de ce petit déjeuner, ben déjà, c'est les contacts avec plein d'entrepreneurs, avec même des politiciens, où là on a des échanges, c'est super intéressant, c'est rare de pouvoir se retrouver toute une gamme de personnes comme ça au même endroit, au même moment. Et puis en plus, chaque fois, les intervenants, ben c'est chaque fois des sujets différents. Et puis c'est ça qui fait aussi la richesse de ce petit déjeuner de la Promov. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir M. Daniel Dufault, directeur général des opérations du groupe Schenck Holding SA. Têtu, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai vinifié 12 récoltes chez Têtu. Je me suis dit, il faut quand même qu'on redémarre cette marque Têtu. C'est une très belle marque qui est encore connue, qui est encore connue aussi en Suisse alémanique, de nouveau, notre marché prioritaire. Alors c'est parti, depuis, j'ai repris ça l'automne passé. On commence par retaper l'outil de production de Trétoran. Il y a une grosse capacité d'encavage à Trétoran. Ce que je peux retenir de cette présentation, ce serait deux mots. Le travail et la pérennité. Le travail millénaire des vignerons qui permettent aujourd'hui un groupe comme le groupe Schenck de venir s'installer dans l'Avaux. Et aussi une volonté de pérenniser cette activité. Pérenniser l'activité des vignerons caveurs et des vignerons producteurs. On peut, dans ce sens-là, espérer que tout le travail qui nous a été présenté aujourd'hui par le groupe Schenck, notamment au niveau marketing, puisse bénéficier à l'entier des acteurs de l'Avaux. Ce qui m'a particulièrement marqué dans cette présentation, effectivement, c'est l'efficacité d'analyse d'une maison comme ça qui ne fait pas du... Ils ne font pas ça pour le plaisir, ils font du business. Le vin, nous, on le prend souvent, nous, producteurs ou consommateurs, on le prend comme un plaisir. Le producteur le partage avec le consommateur. Là, eux, ils font du business. Et c'est un produit comme un autre. Alors, ils respectent le terroir, ils respectent le produit, mais ça doit fonctionner. Alors, c'est vrai que ces petits déjeuners ont un succès qui ne se dément pas depuis plusieurs années. Et pour nous, à l'évidence, ce que les gens viennent rechercher ici, c'est d'abord des rencontres, des nouvelles connaissances, une sensibilité différente, des informations aussi. Il y a des conférences qui sont données, qui sont d'un très haut niveau, telles que celle d'aujourd'hui, mais aussi de rencontrer, d'échanger, de potentiellement trouver de nouveaux partenaires d'affaires et d'élargir leurs horizons finalement.